Johanna Barré qui accuse le ministre de l'avoir dragué. Johanna Barré, si tel était le cas, où est le problème? C'est aujourd'hui, vous attendez. Hier, tu avais tout ton droit. Est-ce que draguer là-même, là, c'est problème? Draguer, c'est un crime? Ça dit, pour chercher à vous faire aimer par ces bandits-là, Johanna, comme tu l'as toujours été, il faut chercher à salir Bantamasso. Mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à faire des prises de conscience. C'est toujours nous, les Guinéens, Guinéennes, dans l'affaire d'accusation. Il y a eu le cas de Adebayor. Quand la fille a accusé Adebayor, encore d'origine guinéenne, Adebayor a dit qu'il ne dure pas dans toilette publique. Il y a une qui a dit à Adebayor que non, qu'il ne dure pas au lit. Adebayor dit, je ne dure pas dans les toilettes publiques. Il y a eu Nafissa Tou ici aux États-Unis. Strauss-Kahn a perdu tout à cause de ça. Il y a eu Sidiki Diabaté. Il y a eu le cas de Ousmane Sonko. Et toujours, vous continuez. Vous ne parlez pas à temps réel. C'est après, vous venez, boum, Johanna Barré. Non, il fallait dire qu'il t'a fait autre chose, à part draguer. Draguer là, qui ne drague pas? Qui ne drague pas? Qui ne drague pas? Mais c'est aujourd'hui, il faut venir t'asseoir pour vomir, pour raconter tout sur Bantamasso. Toi, maman crotte là. Que non, il m'a, moi et d'autres ministres, et d'autres miss. Les miss là, il n'y a pas de gamines dedans. Elles sont toutes majeures. Ces filles-là peuvent parler. Johanna, tu la fermes. Johanna Barré, toi, caracasse comme ça là. Qui va toi? Il n'y a même pas de. Ah non, d'après Matouré, que j'ai besoin d'un peu de viande. Toi, il y a quelle viande sur toi? D'après Matouré. Il y a quelle chair sur toi? Toi, on va te voir en Guinée. Le ministre Bantamasso, ministre en pleine forme. Toi, que toi, il t'a dragué. Ministre de la Genève, tout ce que vous faites culture, il était là-bas. Johanna Barré, tu n'as même pas honte. Arrêtez de casser la réputation, de détruire, de salir l'image des gens. Tout ça pour chercher à vous faire aimer par ces bandits qui sont là. Aher, ça t'a fait où? Johanna Barré, tu n'as pas honte. Tes soeurs sont 10 000 fois plus belles que toi. Toi, tu vas venir parler au des miss. Pourquoi ces miss n'ont pas parlé? C'est toi qui viens vomir des conneries ici. Ferme-la, Johanna Barré. Laisse Bantamasso tranquille. Vous n'avez même pas honte, quoi. Où est votre dignité? Où est votre dignité? Il fallait dire autre chose que où il a commis un crime. Que non, il m'a dragué. Toi, tu es qui? On ne te drague pas. Ou bien c'est toi qui dragues les hommes? Toi, tu es qui? On ne te drague pas. Mais tu n'es même pas cette femme qu'on peut draguer. Toi, cracasse comme ça, là. Bantamasso, va-toi te draguer. Je pensais que tu allais dire, il a abusé de moi, il m'a touché, il a fait ça. Mais tu viens t'asseoir que non, il m'a dragué. Regardez-moi de conneries comme ça, là. Hein? Tu as eu la chance. Je t'ai occupé aujourd'hui. Mais demain, je vais. En tout cas, je ne vais pas laisser. Parce que ce genre de bêtises, là, on ne va plus accepter dans ce pays. Pourquoi tu peux mentir comme ça, une caracasse comme toi, que Bantamasso? Toi, tu peux te comparer à la femme de Bantamasso? Bilgisa, tu peux même t'approcher à côté de la femme de Bantamasso? Tu vois la femme de Bantamasso, toi, Johanna Barré, tu peux t'arrêter à côté de la femme de Bantamasso? Ngaï Yoko, il m'a dragué. Tu n'as rien à dire vraiment. Il faut dire ce que tu as cherché avec Bantamasso, tu n'as pas eu. C'est aujourd'hui. Tu veux chercher à vomir tes salades maintenant. Quand il m'a dragué et d'autres. Ah non. C'est pourquoi les gens disent souvent il faut avoir peur de nos soeurs, quoi. Il faut avoir peur. C'est-à-dire, quand elles veulent quelque chose, elles ne gagnent pas. Non, c'est fini. Elles sont sans pitié. Elles viennent, elles s'en foutent. Ce que tu as dit.
Ce que tu as dit, si tel-même est le cas, où est le problème? Est-ce que dans la constitution guinéenne, il est dit de ne pas draguer? Ou il y a une loi en Guinée qui dit que si tu dragues une femme en Guinée, ou si tu es tant, c'est un crime? Madame, ou bien tu es mineur? Ou bien tous ceux qui sont mis là, il y a des mineurs dedans, il y a moins de 18 ans dedans. Si tel était le cas même, est-ce qu'il y a moins de 18 ans dedans? Est-ce que les mises là, il y a moins de 18 ans dedans? Pour dire non, si on vous drague, tu n'as pas d'on vous a touché, tu n'as pas d'on abusé de vous, on ne vous a pas volé, on ne vous a pas frappé, que non, il m'a dragué. Ou bien c'est un crime de draguer encore? Elle n'a même pas honte. Venir s'asseoir pour raconter des conneries. La femme de Bantamasso te dépasse dans tout. Elle a étudié. Elle travaille dans le gouvernement. 10 000 fois plus belle que toi. 10 000 fois. La femme de Bantamasso. Tu viens t'asseoir. Toi, faut pas te marier. Hein. Depuis le temps de feu, Lansanakonte, on a entendu beaucoup de bruit. Osman était petit. Depuis le temps de feu, Lansanakonte. Toi seulement, tu cherches seulement les patrons. Toi seulement, ton nom. On a collé ton image à un moment donné à feu général Lansanakonte. Tu n'arrivais pas aux chevilles de Kadiati 7. Tu n'arrivais pas aux chevilles de feu maman Henriette Conte qui est décédée, père son âme. C'est comme ça. Son image était collée aussi à feu Lansanakonte. Elle refait encore surface. Parce qu'on t'a oublié peut-être. Il faut venir. Hein? Non, je veux savoir si c'est crime de draguer maintenant en Guinée. Elle n'a pas dit que Bantama soit abusé d'elle. Elle n'a pas dit que oui, et les enfants qui sont là-bas, qu'on a dragués, ce sont des enfants, rien. Ce ne sont pas des mineurs. J'ai dit, si tel était le cas, où est le problème? Ou bien, elle, on ne drague pas, c'est elle qui drague. Mais elle vient s'asseoir seulement, salir l'image des gens, des blablas seulement. Une sec comme toi, de toute façon, tu es sec là. Qui veut de toi? Joanna, il y a quel goût là-bas? Toi là, qui veut de toi, Joanna? Tu vois, tu n'es pas mariée. Depuis le temps de Lansanakonte, montre-nous ton mari. Si tu vois que tu dis qu'on t'a dragué là, c'est que tu n'es pas mariée. Si tu étais mariée là, tu étais respectueuse, là, personne n'allait te draguer. C'est parce que tu n'es pas mariée. Toi, tu es là, c'est toi qui as la tête des misses. Hein? Quelle éducation, quel exemple tu donnes à ces filles-là, qu'on dit Miss aujourd'hui. Toi qui viens sortir pour accuser les gens, maintenant. Au moins que Bantama était aux affaires, tu n'es pas sorti pour vomir ça. Tu n'as rien dit. Et pourtant, les médias étaient là-bas. Vous n'avez rien dit. C'est maintenant. Tu viens t'asseoir pour dénigrer le monsieur, raconter des conneries. Non, en allant à Atlas, moi je veux savoir, dans nos tests là, s'il est interdit de draguer une personne en Guinée. C'est ça que moi je veux savoir. Hein? Quoi, elle a été draguée? Toi qui le dis là. C'est maintenant qu'elle vient vomir. C'est maintenant qu'elle vient vomir ces salades-là. Elle vient. Qui ne connaît pas Joanna? Qu'est-ce que celle-là va nous dire ici? Elle a été quel modèle pour nous? Le temps de Lansanakonte, c'est comme ça encore. Il y a eu des bruits. Non, qu'elle sort avec Lansanakonte. C'est comme ça qu'on a entendu ici, à l'époque. Elle, c'est polémique. Rien d'autre qu'elle la ferme. Laissez les gens tranquilles. Voilà. Si c'est un crime de draguer là, elle peut aller porter plainte. Là, on va voir la justice. Tu n'arrives même pas au chevet de la femme de Bantamasso. Tu viens t'asseoir devant encore maintenant pour vomir ses salades. Non. Toi qui dis que qui prépare Miss Guinée, faire la promotion de la beauté guinéenne. C'est toi qui viens t'asseoir, vomis ces salades. Les miss, là, personne n'a parlé. C'est toi ce qui viens parler à la place des ministres, des miss. Tu es avocat? Que non, il m'a dragué et d'autres. N'importe quoi. Oui.
Si tu avais parlé à temps là, avec des preuves, là, tu n'as pas de compte à toucher. Tu n'as pas dit qu'il abusait de vous. Tu viens t'asseoir quoi, il nous a dragués. Il faut dire tous les hommes qui t'ont dragué là-bas en même temps. Il faut laisser Bantamaso. Depuis que tu es femme là, il faut dire le nom de tout le monde. Parce que c'est Bantamaso qui est reconnu. Depuis que tu es rentré en Guinée là, personne ne t'a dragué. Tu viens t'asseoir pour raconter des conneries seulement. Une vieille comme toi, qui va te draguer? Qui? On sait en Guinée, les gens courent derrière les ministres consorts. Toi, tu vas venir dire que non. Que... Moi, je pensais que oui, tu allais venir dire il a abusé de toi, il a essayé de te toucher, il a essayé de faire ceci, cela. Là, on pouvait comprendre. Mais venir s'asseoir, se flanquer devant les gens, que le ministre Bantamaso m'a dragué. Ou bien c'est interdit de draguer. Si tel est le cas, c'est interdit de draguer. Si tu n'avais pas vu là, tu n'allais pas inventer ces mensonges-là. Mais vous abusez trop. Wallah, vous abusez trop des gens. Conan, ma soeur Evangeline, c'est Johanna Barry. Johanna Barry encore qui sort des salades sur Bantamaso. Que Bantamaso l'a draguée, elle, et certaines miss. Regardez, attendez, man. Je cherche ces photos-là. Non, mais c'est de n'importe quoi. T'as vu? Écoute. Johanna, pardon. Hein? Il ne faut pas gâter le nom de Bantamaso. Les gens sont en train de mettre coller photos là partout. Toi, mince comme ça, là, tu vas venir gâter le nom de Bantamaso comme ça. Hein? Tu viens gâter le nom de Bantamaso comme ça? Pardon. Johanna, pardon. Si tu n'as rien à dire, Johanna, il faut laisser. Regarde. Ça, là, il y a quel goût, hein? Johanna, ça là. Johanna. Regardez. Attendez, hein. Non, c'est vraiment dommage, quoi. Je vais même pas salir. Je vais pas vous montrer la jolie femme de Bantamaso. Non, ça c'est foutaise même. Je ne vais même pas comparer. Ceux qui connaissent la femme de M. Bantam, je n'ai même pas besoin de montrer ça. Attends, je vais provoquer Marwan. Ah. Demain encore, tu vas dire que Marwan t'a dragué encore. Johanna, pardon, demain ne viens pas dire que Marwan aussi t'a dragué. Marwan, Abi Marwan. Tu es averti. Demain encore, quand tu vas, ils vont te nommer ministre de la communication. Johanna va dire que tu l'as dragué. Abim Marwan, tu es averti. Je viens de voir ta photo aussi avec Johanna. Une menteuse comme ça, elle va venir s'arrêter devant les gens que telle m'a dragué. Alors, moi-même, je ne vais plus draguer dans ma vie maintenant. Il ne faut pas que quelqu'un va venir de Damaro m'a dragué. Regarde ton visage 2017, comment tu étais. C'est ça là, Bantamaso va draguer. Ça là, Bantamaso va draguer ça là. Tu fais tolori, calosori, tout ça là. Il y a quel goût? Il n'y a pas lolo, il n'y a rien. Tu vas venir dire que Bantamaso t'a dragué. Où? Hein? Bantamaso a dragué quoi ici là? Il y a quoi ici? Il vient de Mamou. Jolie femme, ça finit pas en Mamou. Johanna, toi aussi. Nous, on pensait que tu vas dire autre chose. Bantamaso t'a volé. Bantamaso, vous avez signé un contrat, il n'a pas respecté. Bantamaso, il a fait quelque chose qui est anormal. Mais venir s'asseoir comme ça, vomir, il m'a dragué. Toi, on ne te drague pas, tu es qui? Hein? C'est sa photo, ça, en 2017. Toi, là, on va te draguer comment?
Regardez. Ça là. Toujours pour venir salir les gens. Toujours. Toujours. Il m'a dragué. Il faut dire maintenant ce qu'il y a dedans. Il faut tout dire. Au lieu de dire draguer là. Sinon tu n'as rien dit d'abord. Il faut parler. Des mensonges. Venir dénigrer les gens. Au moins que vous courez derrière eux pour tout demander là. Là, vous ne parlez pas. Miss Guinée, tous ces trucs-là. Vous n'avez pas parlé. C'est maintenant, il faut venir s'asseoir, vomir des salades, raconter des conneries sur les anciens dignitaires. Hein? Manamana, manamana, qu'en fausse seulement. Yeah. Attendez. Hein. Non, c'est de n'importe quoi, les gars. C'est de n'importe quoi. La dame, là. Non. Les gens n'ont pas honte. Hein? Voilà. Attendez. Regardez la femme de Bantamasso. Je... Ah! Non, 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 non. Ça, c'était à l'époque. Hein? Ministre du Sport. Regardez. Regardez. Ça, là. Toi, tu vas te comparer à celle-là. Je... Tante Bilkissa, je suis désolé. Mais non, mais ça, c'est foutaise. Je ne peux pas accepter que. Hein? Tu ne peux même pas arriver. Regarde le teint de la femme de Bantama. Regarde la beauté. Regarde la beauté. Hein? Regarde la beauté. La femme de Bantama. Toi, tu vas venir dire que non, quand le monsieur t'a. Si Bantama t'a dragué, là, il faut dire Dieu merci. Bantama a ça à la maison. Ça, là. Halal, voici halal. Toi qui n'es pas halal là, tu ne peux pas te comparer à ça. Ça, c'est halal de Bantamasso. Halal, c'est pour lui seul. Toi là, quand il t'a dragué, il faut de Dieu merci. Hein? Vous-même, non, jugez la famille. Bantamasso peut avoir ça là. Et puis, moi je dis, je respecte. Ah, non, 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 non. Regardez. Et mon frère, jeune éveillé, vous qui dites que j'ai vu la vidéo, je vais vous dire, moi là, ce n'est pas le ministre Aouid. J'aime pas Aouid. Vous voyez mes vidéos contre Aouid ici. C'est un menteur. C'est un démagogue. Mais la vidéo dont vous parlez, c'est un anglophone. Ce n'est pas Aouid. Les gens, ils n'ont qu'à bien regarder. Voilà, ils n'ont qu'à bien regarder les vidéos, les images très bien. Ils se ressemblent un peu, mais ce n'est pas à 8. Voilà. Donc, regardez. Regardez très bien. Regardez très bien. Très bien. Halal de Bantamasso. Toi, tu viens t'asseoir à Kono. Eh non, le pays là. Eh, c'est foutaise de. Non, il y a trop de foutaise dans ce pays là. Ça dit, il y a trop de foutaise. Non, vous-même jugez. Bantamasso a ça à la maison, halal. Toi, tu viens t'arrêter devant les gens que non, qui m'a dragué. Il est ministre en plus, il n'est pas n'importe qui. Toi aussi, j'en ai fois avoir honte. Toi, tu peux t'arrêter à côté de Bilkissa. Tu peux t'arrêter à côté d'elle. Tu viens dénigrer le mari de celle-là. Que non, il t'a dragué. Il faut dire Dieu merci. Si Bantamasso t'a dragué, il faut dire Dieu merci. Si toi, tu dépassais la femme de Bantamasso, on peut comprendre. Si tu dépassais la femme de Bantamasso, toi, tu n'es rien. Rien, rien n'est. Tu viens t'asseoir devant le monde entier maintenant, que tu vas dénigrer la personne. Si Bantamasso, toi, t'as dragué, tu devais dire Alhamdoulilah. Toi, parce que tu es fini. D'après Matouré, il n'y a pas de viande. Quand Sarah Messa et fait clash là avec Maturé, Maturé dit que pourquoi je vais être jalouse de toi? Hein? Qu'il n'y a même pas de viande. Voilà. Et regardez.
Madame Bantamasso, toi tu vas venir t'asseoir parce qu'aujourd'hui le pouvoir a de, le RPG n'est pas au pouvoir, Monsieur Bantamasso n'est pas au pays, il est hors du pays. Tu t'assois pour raconter. Moi, il m'a dragué. N'importe quoi, Joanna. N'importe quoi, Joanna. Pardon, laisse notre Bantamasso tranquille. Pardon. Passe à autre chose. Sinon, c'est la honte sur toi. Tu n'as même pas honte de venir t'asseoir, raconter des conneries que non, qu'il m'a dragué avec certains. Les filles là peuvent parler. Ce n'est pas toi. Ou bien c'est un crime de draguer en Guinée encore. Ou bien c'est un crime de draguer. La vidéo dont les gens parlent de du ministre Aouid, moi je vous dis, ce n'est pas le ministre Aouid. Voilà. Hacker là, Tonya est là. Moi, je suis pas dedans. Voilà, ce n'est pas le ministre Aouid. Je sais que les gens font circuler, il y a une petite ressemblance, mais ce n'est pas le ministre Aouid. Et si c'était le ministre Aouid, il était mort avec moi, Damaro. Voilà, moi, je ne suis pas dans Hacker. Vous connaissez combien de fois je tape sur ce ministre-là. Il n'y a pas de seulement petite ressemblance. Voilà, attendez, je crois que je dois même avoir la vidéo quelque part ici. Attendez, je vais vous montrer. Ok, voilà, je vais vous montrer. Vous avez vu, c'est cette vidéo. On dit que c'est le ministre Aouid. Ce n'est pas le ministre Aouid. Voilà, je vous dis, ce n'est pas le ministre Aouid. Ce n'est pas le ministre Aouid, je vous dis. Je ne le défends pas. Vous connaissez ma position. Je tape sur lui. Voilà, c'est des gens. Tous les ministres putschistes. Je suis anti-putschiste. Donc, je ne soutiens personne. Voilà. Mais ce n'est pas le ministre Aouid, ça. Ils n'ont qu'à bien regarder Aouid. Bien regarder les vidéos d'Aouid. Je ne fais pas la vidéo pour le défendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit de parler. Si tu vois que je n'ai pas parlé de ça. Parce que moi, avant de sortir, de parler de quelque chose, je ne vais pas avoir honte demain. Je viens parler de quelque chose. Le contraire, non. J'ai bien étudié. Voilà. Donc, j'ai bien regardé. L'origine, ce n'est pas, ce sont des anglophones, ce n'est pas le ministre Aouid. Voilà. Mais, comme tous les coups sont bons actuellement, là, contre ces bandits-là, ces ministres escrocs-là, c'est bien. Voilà. Comme c'est des escrocs, moi, en tout cas. Parce que l'autre m'a demandé, sinon je n'allais même pas parler. Voilà, c'est. Vous voyez, on dit. Parce qu'il est en train de embrasser ou quoi. Non. Le ministre est plus gros que lui. Voilà. Il est court que lui. Que la personne qu'on voit. Mais il se ressemble un peu le visage. Voilà. Donc, hacker là, on n'est pas dedans. On ne va pas faire comme les gens à Paris là. Nous, quand il y en a, quand on dit là, on a les preuves, tout, ça tient. Là, personne ne peut venir démentir ou autre chose. Donc, Johanna Barry, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Tu n'arrives même pas aux chevilles de la femme de Bantamasso. Tu viens te flanquer, Conan, il m'a dragué. Et quel nom que tu veux chercher? Quel nom? Si tel même était le cas, toi, on ne te drague pas. Il t'a pas forcé. Comme tu l'as dit dans tes explications pour chercher à salir M. Bantamasso. Il t'a pas forcé, rien du tout. Donc, arrêtez souvent des polémiques, quoi. Tu cherches Marie depuis le temps de l'ancien compte, tu n'as pas eu Marie. Vous étiez en Côte d'Ivoire, tu es venu avec tes soeurs. Tu n'as pas eu Marie jusqu'à présent. Toi, si quelqu'un même t'a dragué, il faut aller à Alhamdoulilah. Sinon, qui va te prendre aujourd'hui, gagner quoi? Joanna, tu vas apporter quoi? Tu as plus de 50 ans. Tu as plus de 50 ans, Joanna Bari. Le ministre Bantamasso peut marier même une fille de 18 ans aujourd'hui. Il est encore fraîche. Il est encore frais à l'heure là. Ça va. Toi là, tu vas gagner un bon mari où? Qui va toi te prendre pour dire que à venir, Joanna, ne poussez pas les gens à parler. Non, Aminata Kondé, ma soeur, souvent ça fait mal quoi. Souvent, il faut les répondre. C'est pas du tout bien ce qu'elle a fait. Même si c'était la vérité.
Où est le mal dans ça? Mais parce que le monsieur n'est pas au pays aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir, il faut sortir vomi. Elle n'a pas parlé, se sauf maintenant, pour dénigrer le monsieur comme ça, flagrant. Oh Moussotier, tu n'es pas Miss, tu n'es pas belle. Tu es Caracas. Tu vas venir t'asseoir quand Bantamaso s'est rentré. Tu connais ta copine de la femme de Bantamaso. Manamana Kamfortun, Ahersata, Féo. Ah, Joana Barré, Ahersata. Tu n'as pas honte, Féo. Tu n'as pas du tout honte. Sinon, après avoir collaboré avec des personnes, et c'est ça la démagogie aujourd'hui, toute personne, il faut attaquer les anciens, il faut dénigrer les anciens dignitaires pour être plus proche des bandits là. Vous ne connaissez pas Laïmadi. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Laïmadi. Laïmadi lui-même, il connaît la vérité, il sait la vérité. Continuez à dénigrer les autres. Hein. Vous pensez que Laïmadi, il sait que vous êtes des traîtres. Vous avez vu tous les jeunes forestiers à côté de lui aujourd'hui. Il s'est débarrassé de tous. Parce qu'il a compris que ce que lui il a fait aux autres, là, il est en train de faire, là, ça va le rattraper. Donc asseyez-vous toujours à mentir. Hein, à mentir à ces bandits-là. Non, vous allez attaquer les anciens dignitaires. Vous allez dénigrer le professeur Fakonde et son gouvernement. Là, ils vont dire, oui, ceux-là, ils sont bien, ils nous aiment. Voilà, des escrocs réunis comme ça. Là. Comme ça, tu as fait Miss Guinée. Celle qui a été Miss, tu dis non, qu'elle parle pas anglais. Tu l'as enlevée, tu as mis la fille là. Pourtant, celle qui a été Miss Nationale, toi seul, tu as pris une décision. Tu as enlevé l'autre parce que c'est toi qui as la tête. Ce qui est anormal, tu ne parles pas de ça. Celle qui a été élue Miss. Pourtant, on a vu des Miss qui ne parlaient pas l'anglais. Mais toi, tu as enlevé l'autre parce que non, qu'elle ne parle pas l'anglais. Toi, tu l'as fait. Personne ne t'a critiqué. Personne. Nous, on n'a pas parlé de ça. Voilà. Personne n'a parlé de ça. On a soutenu Sarah, celle qui a été Miss Guinée. Voilà. Miss Monde. Quoi. On l'a soutenu. Personne n'a parlé de ségrégation. Personne n'a parlé d'autre chose. Mais ce que toi, tu as fait, ce n'est pas bien. Jamais on a vu ça dans les autres pays. Mais toi, tu as fait en Guinée. Si les gens voulaient parler, ça allait créer des polémiques. On allait dire non, tu as enlevé une malinquée, tu as mis une peule. Parce que oui, elle parle. Mais personne n'a fait de polémique là-dessus. On pouvait sortir faire polémique là-dessus. Joana, toi, tu as fait quelque chose qui n'est même pas bien. Mais aujourd'hui, c'est toi qui sors que tu vas attaquer Bantamaso. C'est pas bien. C'est parce qu'on est intelligent qu'on ne s'est pas mis dans ça. Avant tout, celle que tu as mis, c'est une Guinéenne. Tout le monde s'est mis à la soutenir. Mais ce que toi, tu as fait, on dit concours national. Celle qui a été Miss, tu l'as disqualifiée. Que parce qu'elle ne parle pas l'anglais. Et les critères demandés, ce n'est pas forcé qu'on parle l'anglais. Mais toi, tu l'as fait. Parce que ça te plaît. Tu vas venir encore sortir pour faire polémique. Tu veux qu'on fasse polémique? On va faire polémique maintenant. Toi, tu l'as fait devant tout le monde ici. Personne n'a parlé. Et c'est toi qui viens t'asseoir. Konoko Bantamaso t'a dragué. Moi, je pensais que tu allais dire qu'il a abusé de toi. Il a signé, vous avez signé un contrat, il n'a pas respecté. Il devait payer les gens, il a détourné l'argent. Oui, en tout cas, rien. Juste pour salir un peu le nom du monsieur. On dirait que toi, tu es une gamine. Une vieille qui a plus de 50 ans. Tu as plus de 50 ans. Donc, excusez-moi la famille, je vais vous laisser demain. En tout cas, le débat là. Elle a eu la chance, j'étais en déplacement aujourd'hui, je suis rentré tardivement. Donc, désolé de vous avoir retenu. Le combat continue, on se reprend demain. Affaire à suivre, tant qu'elle ne va pas changer, nous aussi, là, on va ramener tout ce qu'elle a eu à créer comme connerie là-bas, dans l'affaire de Miss, là, on va dévoiler aussi.